on va ouvrir un nouveau vlog. Salut toi! En commentaire, tu me mets cet emoji. Alors, pour vous expliquer très brièvement, c'est le drapeau de l'Inde. TikTok, qu'est-ce que vous attendez? Depuis le temps que je vous le dis et que je vous le répète, je sais pas quand est-ce que vous allez atterrir. Bref, c'est l'heure du point make-up. Qu'est-ce que j'ai utilisé que j'avais jamais utilisé auparavant? Premièrement, d'ailleurs, j'ai fait des photos. J'espère qu'elles ressortiront bien. J'ai fait des photos de ça avant de m'en servir parce que franchement, très 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 joli, vous allez voir. J'ai utilisé de chez Catrice. Ça, c'est envoyé par Madame Laylicious. Leila. Donc, de chez Catrice, le Matte Face and Body Bronzer. Limited Edition, Tropical Exotique. Voilà. Bon, bref, c'était une édition limitée, désolée. Donc, voilà comment il se présente. J'ai fait des photos qui rendent vraiment pas mal, du coup, direction Insta. Bon, elles seront pas publiées tout de suite maintenant, mais... Oh, le ciel est trop beau! Il y a du blanc, du rose et du bleu. Très, très beau. Donc, ce bronzer-là, bah écoutez, pas mal. Pas mal. J'ai juste utilisé, pas en contour, mais vraiment, genre, pour réchauffer un peu le teint, parce que je suis très, très pâle en ce moment. Donc, pas mal du tout. J'aime beaucoup, franchement. D'ailleurs, je vais le laisser... Je pense dans le panier des trucs que j'utilise un peu plus souvent et tout. Pour bien le tester. Mais en tout cas, premier jet comme ça, franchement, j'aime bien. La couleur est parfaite pour moi. C'est-à-dire que c'est pas trop, c'est pas... Non, c'est pas mal. C'est léger, en même temps, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je vais continuer à tester. J'ai changé de base, les gars, j'ai changé de base. Je suis sur la base de BK. C'est une base lumineuse qui s'appelle... backlight, c'est ça? Backlight, base filtrante rétro-lumineuse, voilà, c'est mieux en français. C'est cette base du coup que j'attaque, que je veux finir surtout parce que ça fait un moment que je l'ai, du coup je... Voilà. Ça c'est pas bien pratique, c'est des faux piercings hein, du coup. Je les ai pas fait en un jour. Hein. Mais du coup, avec la chaîne là, du coup j'ai accroché à la boucle d'oreille une chaîne pour faire style un peu plus. Bon bref. Vous avez qu'à aller sur TikTok. Et autre chose que j'ai testé, je crois que c'est tout. Je me suis un peu chiée dans la colle avec ma roue là. Mais bon, écoute, c'est pas grave, tant pis. On fera mieux le prochain make-up. En tout cas, pour les lèvres, j'ai utilisé encore Laylicious. Leila qui m'avait envoyé ça du coup. C'est le Mary Jo Kay de chez Kylie Cosmetics. J'adore. Il est trop beau. Bon, c'est pas du tout confortable, c'est un liquide mat, c'est pas du tout confort, c'est bon, c'est un liquide mat quoi. Mais franchement, il est très très beau. Ça me fait penser d'ailleurs à un de chez Sephora qui, pour le coup, les Sephora, je boycotte un petit peu Sephora, mais j'avoue que les. C'est quoi les sans transfert là de Sephora, ils sont. C'est les meilleurs du marché, franchement. En liquide mat, il n'y a pas mieux. Ça me fait penser à l'un d'entre eux, la couleur, mais j'adore. Bon, j'arrive toujours pas à l'appliquer correctement, le rouge à lèvres. Hein. Ça, je crois que j'y arriverai jamais de ma vie. Mais en tout cas, il est très joli. Voilà, et je crois que c'est tout. Ah si, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai ressorti parce que... Tout à l'heure, justement, je cherchais des accessoires. Je me suis dit, est-ce que je mets des paillettes? Est-ce que je mets quelque chose? Donc, j'ai simplement mis ces paillettes-là. Et en cherchant dans mes coffrets, enfin, dans mon truc artistique là-bas... Où justement je mets les piercings, les chaînes, les brillants, les paillettes, les fossiles, les cols, etc. J'avais des paillettes, bon ça je le savais, hein. Et je savais que j'avais cette palette de paillettes là. C'est une palette neutre avec des paillettes. Alors toutes celles-ci là, toutes celles-ci c'est des Colourpop et celle-ci c'est une, comment ça s'appelle, Bleach. Bleach. Et du coup j'ai mis en coin interne là, ouais ça se voit. J'ai mis celles-ci qui sont, donc, comme je vous ai dit, des Colourpop et c'est le Iceland Hopping. Elles sont trop, trop belles. Et je me suis dit, mais meuf, t'es pas obligée de le laisser dans le truc, dans le make-up artistique. Tu peux t'en servir tous les jours parce que franchement, c'est trop, trop beau. Et j'ai vraiment envie de faire un make-up avec les autres paillettes, tout simplement. J'ai envie de paillettes en ce moment, donc voilà, préparez-vous à ce que... notamment quand on se retrouve en live sur TikTok et tout, bah je porte des paillettes, tout simplement, parce que j'ai envie de porter des paillettes. Et pour mon make-up, du coup, j'ai sorti
une de mes anciennes palettes, la Rainbow des Forever Flawless de Révolution, que j'adore. Voilà, c'est tout pour le point make-up. Non, il a pas neigé, non. Il a juste gelé sa mère de ouf. On le voit bien, hein, toi. Tout est blanc. Et on se caille la nouille. Il y a petits œils aujourd'hui. Pourquoi? Parce que bah, on a terminé un live TikTok à 4h. J'adore parce que je dis toujours non mais je reste pas longtemps et tout. Et puis finalement on rigole et tout, on parle de tout et de rien. Mais du coup 4h. J'étais en mode oh, non mais les gars stop. En fait stop. Bref. Et levé à 8h. Donc je t'avoue que là ça commence à tirer au niveau des œils. Donc je vais y mettre des gouttes, je vais me mettre de la crème et tout, parce que j'ai la peau qui tire, bref. Je venais vers vous pour vous faire voir une petite commande que j'ai fait sur Amazon. Tout d'abord, ben, ce dont j'avais vraiment besoin, c'est-à-dire les petites comme ça, démonte pneus. Voilà, on va pouvoir enfin changer mon pneu. J'ai pris deux produits aussi que j'avais grave envie de tester depuis longtemps, surtout un. L'autre, j'ai dit, tiens, je ne savais pas qu'il faisait ça. C'est ce produit-là, où je me suis dit, tiens, je ne savais pas qu'il faisait ça. C'est le sérum hyalurogène booster hydratation 24 heures repulpante chez Mixa. Donc, c'est un petit sérum à l'acide hyaluronique, tout simplement. Donc, moi qui... autant, maintenant, toutes les acides, les sérums, etc., je ne suis pas... J'ai pas forcément envie de tester, autant le collagène et l'acide hyaluronique, je sais que c'est fait pour moi, donc j'en ai pris un. Écoute, à tester, celui de chez Mixa du coup, je sais pas du tout ce qu'il peut donner, donc à voir. Et un autre produit que j'avais grave envie de tester depuis longtemps, seulement il était, là il était un peu moins cher, il y avait une promo, mais sinon il est relativement cher quand même, c'est un produit qui est pas donné. La plupart du temps je le trouve vers 17-18 euros, un truc comme ça. C'est ce produit là, donc c'est par contre ça arrivait tout déglingué. C'est à l'acide hyaluronique et à la caféine. C'est le Revitalift Filler à l'acide hyaluronique du coup. C'est un corrige les cernes, repulpe les rides du contour des yeux. C'est un petit produit contour des yeux. Et alors ce qui me titille, c'est déjà c'est la caféine. Parce que ça, j'en entends parler depuis un bon peu avec l'avocat. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et il y a des petites billes. Donc je me dis ça peut être pas mal pour masser un peu. Et puis ensuite tu termines le travail avec les doigts, quoi. Mais franchement, pourquoi pas. Alors sur le papier ça a l'air prometteur, donc de toute façon je voulais le tester depuis longtemps, donc voilà ma petite commande Amazon. J'avais autre chose qui devait arriver là, mais je sais pas trop, on verra bien. Voilà un petit peu pour ça, et ben aujourd'hui on va s'occuper de démonter le pneu. Oui, on va enlever ce putain de pneu et surtout mettre le nouveau. Si j'arrive à faire ça déjà, ça sera déjà beaucoup, vraiment. Aïe, ah m'a fait bobo dans mon ongle, ah, j'ai cogné mon ongle, ah ça fait mal, mais je l'ai eu cette, je vais pas dire le mot, mais je l'ai eu, ah. Du coup c'est là où je me dis vraiment, de toute façon avec la repousse que j'ai, il va vraiment falloir que je les refasse. Bon, maintenant que ça c'est viré de là, ça m'a pété le pouce quoi, sans déconner. Et maintenant que c'est viré de là, il n'y a plus que ça à installer. J'espère que ça sera beaucoup plus facile. Bon bah écoutez, on en est là. Et surtout on en est là à faire bouillir le pneu. Non mais les gars, regardez dans quel état j'ai. Je suis. Je sue partout. La mort. Tout ça pour un pneu. Je sais même pas combien de temps j'ai mis. J'ai mal au pouce là. Mais les gars, je l'ai eu cette pute. Oh pardon, il fallait que ça sorte. Vraiment, je me suis fracassé les mains. Mais je l'ai eu. Et je crois que je l'ai bien rentré. Là, il n'y a rien qui dépasse. Là non plus, il n'y a rien qui dépasse. Je l'ai eu les gars, je l'ai eu toute seule avec mes petits bras. Je vous dis que par contre, ah ça, son grand-père l'hypopète. Je me suis même pas servi de... Je sais même pas pourquoi j'ai acheté ça en vrai, parce que franchement, je m'en suis même pas servi. Ça m'a tué. Oh, wow, j'ai chaud. Bon, maintenant que cette pute de roue est montée,
Alors, je réfléchissais pour ça. Son grand-père, l'hippopète, je te jure comment j'ai galéré. Ah la vache! Ça demande une force de zinzin, les gars, de changer un pneu. Comme ça, à l'aide de ses propres petites mains. Heureusement que j'ai des jambes et j'ai des genoux, je vous le dis. Parce que j'y serais jamais arrivée. Oh putain, je suis contente quand même. Toute seule, j'y suis arrivée toute seule, les gars, comme une grande. Je suis trop fière. Alors bon. Protège-câble là. D'ailleurs, il faut que je regarde où il en est, mon protège-câble. Parce que ça serait bien que je l'aie, en fait. Pouvoir l'installer. Bon, tu rentres, hein? On va pas y passer Pâques Noël le jour de l'an quand même. On a mis un pneu. On va bien arriver à mettre une petite kikouette dans ton genre quand même. Non mais on est où là? Franchement les gars, oui j'ai mis un petit pansement là. Je vais le colorier. Je vais passer, de toute façon je vais passer tout le contour là avec du marqueur indibilibile. Et c'est pas trop beau? Oh si, j'adore, c'est canon. Oui, tu peux m'appeler Amy Tuning. Je m'en bats les couilles. C'est trop canon. Bon maintenant, remontage du pneu. Allez, on va y arriver. Ça y est, j'ai tout remonté, c'est-à-dire les caches et tout. D'ailleurs, j'ai pété cette espèce d'autocollant de merde là. Mais voilà, ça y est, comme ceci de ce côté. Faut juste que je recouvre un peu les griffures là de toute cette bataille de changeage de roue. Mais c'est pas grave, je vais mettre du feutre permanent. Et de l'autre côté, voilà, avec le petit papillon et tout, j'aime beaucoup. Le fait que le cache comme ça, il va sur le papillon, j'aime bien. Et la roue en holographique, comme ça. Franchement, c'est pas trop canon. Bon, en toute honnêteté, j'ai un pneu rouge à l'avant, l'autre est noir, mais honnêtement, tant que celui-ci sera pas crevé, c'est hors de question, même pour la beauté et pour le style, je vais pas le changer. Ah, j'en ai rien à péter. En toute honnêteté, je m'en bats les reins. Il restera là tant qu'il sera pas crevé. Et voilà, du coup, ma petite bike, toute relookée et tout. J'adore, je suis fan. Je suis trop contente. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais je suis contente. Elle est toute belle avec les petits détails lilas, violet, rose. Il faut juste que je change vraiment la sonnette. Là, du coup, les câbles, ils seront avec un protège-câble rose. Quand je le reçois, je vous montre. De toute façon, je l'installerai et tout. Pareil pour ceux d'en bas, du coup. Celui-ci et les deux, là, ils seront tout roses. Et voilà. Voilà. J'adore. J'adore. Je la trouve trop belle. Déjà qu'elle était belle de base, mais là, je l'ai améliorée un petit peu, je trouve. Et voilà, écoutez, c'est pas mal du tout. Très, très sympa. J'aime beaucoup ces trous, là. Ça fait hyper stylé. Voilà, je vais m'amuser à du coup recouvrir ça là avec du permanent là et puis voilà. Je me suis rendu compte que j'ai passé mon coup de guillotine sans vous faire voir, donc je vais vous mettre les photos tout de suite maintenant. Je crois que j'avais un petit peu de repousse. Donc coup de guillotine plus coup de ponceuse, il me reste plus qu'à décoller. Les derniers bouts de capsule, comme on peut voir. Voilà. Et je vais recommencer une nouvelle manucure. Parce que franchement, j'avais pas mal de repousse hein, quand même. On peut le voir. Qu'est-ce que c'est moche. Puis là, il faut que je rattrape toutes mes cuticules et tout. Tout refaire à neuf, quoi. Parce que vraiment, j'ai des mains. C'est pas des mains, ça. C'est du n'importe quoi. Donc, il était temps de tout refaire. Évidemment, c'est la même de l'autre côté. Je pense que la trace noire là que j'ai, ça vient de la colle. Je sais pas. Une colle qui a pas voulu partir. Bref. Ouais, j'avais une repousse de fifou, dit quand même. Tout ça de repousse quand même. Hein. Non, c'est énorme. Donc voilà. Il est temps de tout changer.